travaillé tellement dur pour protéger Nikki de tout ça. Et maintenant, elle a tué quelqu'un. Cette putain de ville s'écroule autour de nous. Je dois la faire partir, la mettre à l'abri, avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Yolanda dit qu'elle va te dénoncer aux flics. Monte dans la voiture, on y va. Dis-moi que t'as été piégé, dis-le-moi! Je l'ai trouvé. Celui qui a tué Lena. Je sais qui c'est. Quoi? Nikki, on n'a pas le temps. Il faut partir. Maintenant! Monte! Je sais. Mais pourquoi tu cherches à leur échapper? Ils peuvent nous aider. Non, ils nous aideront pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont après moi. Oui, mais on peut leur expliquer. On peut leur parler de Damien. Je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Non. Si on se fait arrêter, tu leur dis rien. Pour l'instant, je vous fais sortir de la ville. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. C'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels, quand même. Ah, oh, c'est toi. C'est ça. C'est toi le justicier. C'est compliqué. Alors, tout ce que j'ai vu aux infos, les meurtres, les agressions, le stade, c'était toi, ça aussi ? Seigneur. Et pour mon kidnapping, qu'est-ce que t'as été obligé de faire pour me libérer? J'ai fait ce que j'avais à faire. Avant, il y avait un marchand de glace ici. Sans un parfum différent. Tout ce que je connais est ici, à Chicago. Tu comprends? C'est chez moi. Et maintenant, je dois tout recommencer? Je voulais à tout prix éviter ça. J'espérais... Tout ça, ça va changer. Je te le promets. Ne me promets plus jamais rien, Aiden. Où est-ce qu'on va maintenant? Je vous emmène loin d'ici. Toi et Jackson. Et après? On pourrait partir d'ici et aller chez... Non, me le dis pas. Ne le dis à personne. Ça y est. C'est fini maintenant. Mais pas pour toi. Tout va bien, Jackson. Ça devait pas se passer comme ça, mais on n'a pas vraiment le choix. Tu m'en veux pas? Tu te souviens quand on était petits? Je te suivais. Et tu courais pour me semer. Moi, comme une andouille, je continuais. J'aimais pas tes voitures, ni ton sport. Et tes copains étaient tous moches.
je te suivais, c'est parce que je t'idolâtrais, Aiden. Comme Jackson t'idolâtre. Tout ce que j'espérais, c'est qu'un jour t'arrêtes de me fuir. Et qu'enfin, tu m'acceptes auprès de toi. Je sais pas quoi dire, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est moi qui arrête de te suivre. Je sais. Allez, mon chéri. On s'en va maintenant. Dis au revoir à tonton Aiden. Tu viens pas avec nous ? Non. Ton oncle va rester ici. Salut, Jackson. Qui va te renseigner sur celui que tu cherches. Ça y est, t'es prêt ? Non, pas vraiment. Mais vas-y, envoie. J'ai une mission à vous confier, monsieur Irek. Ok. Elle a un nom et une adresse, cette mission, monsieur Quinn. Brinks et Pierce. Faites-en un bel exemple. Occupez-vous des familles, s'il le faut. Bien sûr, monsieur. Et ils ont fait quoi ? Peu importe, monsieur Irek. Faites ce que je vous dis. Et je vous laisserai organiser les enchères de l'année prochaine. Putain, il est sans pitié, ce fumier. Enfoiré de Quinn. C'était censé être un coup simple, plein de fric, et sans problème. Putain de mafia. J'ai pas de conseils à te donner, mais si jamais ça t'intéresse, Quinn organise un truc caritatif. Dans son hôtel, le Merlot.